Facebook, je fais une vidéo d'urgence. Il y a des gens qui croient qu'ils sont forts, comme on les appelle des mamailleurs. J'arrive, je partage, j'arrive. Ça va se régler bientôt. Donc, j'ai partagé où je dois partager encore. Allez, partagez même. Partagez ça mal. Partagez. Il y a des gens qui ne savaient pas, qui ne savent pas. Donc, je vais leur dire ce qui se passe. Et puis, on va quitter ici. Moi, je suis un vrai lion. Je ne suis pas un chat qui se prend pour un lion. Voilà. Je suis un vrai lion. Je suis un vrai même. Partagez. Je vais éclaircir ça vite fait et quitter ici. Normalement, il ne fait pas direct aujourd'hui. Normalement, il ne fait pas direct aujourd'hui. Je suis en promenade dans la forêt, en train de prier, de poser mes actions, Brakata Pro. Ouh! Elle ne connaît pas à demander. Ouh! 3 jours de repos. 3 jours de repos. 3 jours de prière intense. 3 jours d'action de grâce. Voilà, et fini le partage. Je finis le partage. Voilà, attends, je partage d'abord. J'ai pris une colline là, ça m'a fatigué. Je transpire, André. André Q magie dans sauce Gumbe. J'ai pris une colline là, ça m'a fatigué. Hein. Ah, il y a longtemps, je n'ai pas fait sport. Je vais me sportiser. Un peu. J'ai fait travailler mes muscles un peu. Ben, mes muscles avons besoin de travail bientôt. Voilà. Ok. Soyez bénis, partagez. Je ne reste pas longtemps. Hein. Moi, je suis venu pour me promener avec ma petite famille dans la forêt. Et puis en même temps pour. J'aime prier dans le calme. J'aime prier dans le silence, dans le calme. Alors, je vais aller très vite parce qu'ils sont en train de m'attendre de l'autre côté. Alors, il y a une vidéo. Et quand on n'a plus de solution, on trouve tous les moyens. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer avant le truc. Ouais, ça va. Hein? Voilà, la vidéo est là. Attendez. Attendez. Est-ce que il y a mon écouteur? Il a monté la vidéo. On va rigoler un peu. John Nama. Là, c'est une vieille affaire, ça, John Nama. John Nama, même, il est venu prendre. Il est venu prendre ma vidéo. John Nama, il cherche publicité. Qui se prénomme Bishop Oh, Ignace voilà. Ezechiel. Il a montré, il En a vous montré. calmant. Il a montré. Alors, il a montré. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Excusez-moi. Kéké! Viens. Dépêche-toi. Hébreu parle aussi. Donc voilà cet homme, Bishop Non, c'est Ignace bon, Ezechiel. Et apôtre fondateur du Mirad Église. laisse, c'est Donc bon. voilà le Mirad, cette église qui passe sous Jésus-Christ aimé. Et la raison pour laquelle, Ok, en Côte d'Ivoire, où voilà ça. il y a la véritable une séance de sorcellerie, je vous assure, c'est terrible là, ce qu'on va voir en Côte d'Ivoire, une séance de sorcellerie en plein culte. Voilà, je
crois que c'est un soi-disant bishop, je crois Léon, bishop Léon. Bishop, et je crois Léon, Léon, Léon. Je vous assure, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur. Voilà cet homme qui se prénomme bishop Ignace Bessisédek. Et comme vous pouvez lire l'ambassade miracle, bishop Ignace Bessisédek. Bishop Ignace Bessisédek. Oh Seigneur. L'autocuidance. Et pour ceux qui ne savent pas qui était Melchisedec, c'est ce roi dont on ne connaît pas l'origine, qui a béni Abraham et qui a Oh, mais Georges, tu ne connais pas la Bible. Hein? Melchisedec n'était pas roi. Georges Nama, tu ne connais pas la Bible. Georges Nama, George Nama, viens, je vais t'enseigner. Tu ne connais pas la Bible. Tu connais pas la Bible. Donc voilà cet homme, oui, Melchisedec et Étienne. Et apôtre fondateur du miracle. C'est ça. Donc voilà cette église qui Ok, bref, je voulais juste vous montrer. Il dit, je ne connais même pas, écoutez, il dit, je ne connais même pas où, qui est cet homme. Il avait dit ça, mais ce n'est pas pour ça que j'ai fait le direct. Parce que je n'ai pas de problème particulier aujourd'hui avec Georges Nama. Ce n'est pas pour Georges Nama que je viens faire le direct. Georges Nama a fait cette vidéo, ça date de très longtemps, je crois que c'était 2014. Chérie, dis-moi, quand on était à Châtellerault, et puis Satan TV avait fait direct sur moi là, c'était en quelle année? 2014 ou 2013? C'est dans la période, non? 2014, ok. Voilà. Donc en fait, cette vidéo qui est en train de circuler là, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est Georges Nama même qui a remonté ça pour partager, mais moi ce que je soupçonne, ce sont les microbes de Makassa qui savaient qu'il y avait une vidéo comme ça déjà depuis 2014 que Georges Nama avait fait sur moi. C'est un problème réglé. C'est un problème qui est réglé. J'étais dans une ville nommée Châtellerault en France. J'ai ouvert une assemblée. Je suis allé convertir des gens même qui ne connaissaient pas Dieu. J'avais une très belle église, une grande église pour aider les gens. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est quoi? C'est que il y a un serviteur de Dieu, 2013, voilà, quelqu'un dit 2013. Il y a un serviteur de Dieu qui est un grand frère à moi, quelqu'un que je respecte, même si deux fois on s'embrouille, la dent et la langue, là. Ils font pas là, mais ils sont dans la même bouche, Mian Léon. Mian Léon est un grand frère de ma génération. Ce n'est pas mon père spirituel. C'est un grand frère de ma génération. Dans ma génération, il y avait Kakou Séverin. Il y avait d'autres noms que je ne vais pas citer. Et puis Mian Léon, c'était un grand frère que je lui dois des respects, beaucoup de respect même. Même si des fois je me fâche contre lui, lui aussi se fâche contre moi, je reste son frère, il reste mon frère. Nous deux là, le jour où on va se voir, on va s'embrasser, on va manger ensemble. Voilà, c'est à distance, on ne s'est pas encore vu, on se parle. Mais c'est mon frère. Il y a des gens, ils restent dans ton sang, on ne peut pas les enlever. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, Mian Léon n'était plus trop sur la toile. On n'entendait plus trop parler de lui. Mian Léon était en Belgique. Et moi, j'ai repris contact à Mian Léon en tant qu'un frère. Je voulais relancer Mian Léon. Je voulais que les gens entendent parler vraiment de Mian Léon parce que c'est un grand frère qui nous a marqué à notre temps. Donc, on a pris contact. Je l'ai même invité dans mon église. Il est venu faire un programme avec moi. Et puis, quand je suis parti à Abidjan, ce qui s'est passé à Abidjan, likez le direct, likez même, mettez plein de cœur. Ceux qui croient qu'ils ont fait un montage et puis ça va m'atteindre là, likez, ils vont voir qu'en fait, je suis en bonne santé. Tout va bien. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai vu Mian Léon à Abidjan. Et vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le sacerdoce. Mettez des cœurs. Il y a ce qu'on appelle le sacerdoce. Alors, la consécration, une vraie consécration. Quand on consacre un serviteur de Dieu, ce n'est pas avec une bouteille. Ce n'est pas avec une fiole. La Bible dit qu'on a consacré Saül avec une bouteille. Mais Saül s'est mal comporté après. Donc, bibliquement, nous consacrons avec une corne pour suivre les traces de David. David a été consacré avec une corne et ça produit des grands effets dans sa vie.
Alors, j'étais à l'Abidjan, on m'a offert des cornes. Quelqu'un m'a offert plusieurs cornes. Et puis, Mia Léon avait un programme dans son église. Donc, j'ai dit à Mia Léon, je lui ai dit, écoute, j'ai des cornes, comme tu as un programme, je sais que tu vas consacrer, je vais te donner une corne. Et puis, j'ai pris la plus grosse corne, la plus grosse même. J'ai pris et donné à Mia Léon, parce qu'il aime les trucs qui sont beaux et les gros trucs. Je lui ai donné. Et puis, je suis allé assister à son programme. Quand je suis allé assister à son programme, moi, là, je suis comme un bébé du Saint-Esprit. Là où il y a onction, là. Là où il y a onction, là. Je peux me coucher. Je peux tomber. Je peux pleurer. Là où il y a onction. Je suis couché. Je tombe. Je pleure. Je danse. Je m'en fous. Quand c'est devant Dieu. Voilà. Si ça, là, c'est sorcellerie, alléluia. Je suis un gros sorcier, alors. Donc, ce qui s'est passé, quand j'ai donné la corne à Mia Léon, Mia Léon devrait, il a fini de prêcher et puis il devait consacrer les gens. Et puis, Mia Léon dit, tiens, il m'a appelé. Il dit, tiens, c'est par toi que je vais commencer. Bon, c'est dans l'église, on n'a pas pris programme pour ça. On ne s'est pas arrangé pour ça. Mais sous l'onction, après sa prédication, il dit, tiens, c'est par toi que je vais commencer. Viens. Je me suis levé et je suis parti. Mettez des cœurs, mettez plein de cœurs même. Je ne voulais pas faire direct aujourd'hui, mais comme on m'invite à faire direct, je vais faire ça doucement pour vous donner pied m'en vais. Donc, chérie, bon, allons, je vais marcher, je voulais m'asseoir. Allons, vous êtes trop loin. Donc, ce qui s'est passé, Mia Léon m'a appelé. Et puis Mia Léon m'a versé de l'huile sur ma tête. Mais Mia Léon, ce n'est pas mon père spirituel. Il ne m'a pas consacré pour le ministère. Le jour que Mia Léon a prêché même, il a dit publiquement, dans sa prêche, il dit, Étienne que vous voyez là, quand je connaissais Étienne, Étienne levait les morts, Étienne guérissait les fous, Étienne faisait des miracles. Il a dit de sa propre bouche, Georges Naman n'a pas pris cette partie-là pour faire sa vidéo. Hein. Il a pris seulement où on a versé une sur ma tête. Il dit, Étienne que vous voyez là, Étienne, c'est un homme puissant. C'est un homme de Dieu. Il n'a jamais été mon fils. C'est par respect que Étienne accepte que je verse une sur sa tête. Il a dit ça dans sa prédication. C'est dans l'intégralité de la vidéo. Dans l'intégralité, celui qui veut n'a qu'à chercher l'intégralité de la vidéo, il va voir que Mia Léon a dit que je ne suis pas son fils, qu'il ne peut pas verser une sur ma tête, et que c'est par humilité que moi je suis venu m'approcher de lui, pour que lui il puisse mettre une sur ma tête. Donc, moi je suis humble, hein. Moi quand c'est onction là, je suis humble, je m'en fous, je tombe, je crie, je saute, même si c'est pour enlever mon caleçon, je vais enlever, je m'en fous. Si c'est sorcellerie, c'est votre problème. Mais c'est à moi, ça fait du bien. Donc le reste là, on s'en fout, on s'en m'en fout, on tape. Voilà. Donc, il a versé huile sur ma tête. Quand il a versé huile, si il dit qu'il n'a pas senti onction, il a menti. Hein? Bah, moi, mon onction est à moi, non? Et puis lui, il a versé sur ma tête encore. Donc j'ai fait, tellement que ça travaillait mon corps. J'étais tellement content. J'ai enlevé ma ceinture. J'ai offert dans la corbeille. J'avais une montre de valeur. J'ai offert ma montre. J'ai vidé ma poche. J'ai versé dessus l'autel. J'ai fait offrande pour bénir Mia Léon parce qu'il avait versé cette huile sur ma tête. Voilà. Donc, quand je suis rentré en France, j'ai publié cette vidéo. J'espère que je vais la retrouver. J'ai publié cette vidéo. Et quand j'ai publié la vidéo, j'ai laissé un commentaire parce que je voulais que les gens se rappellent de Mia Léon. Donc, j'ai laissé un commentaire en disant que Dieu bénisse le père Mia Léon. Voilà, que Dieu bénisse le père Mia Léon. Et puis, Georges Nama m'a écrit une bosse. Je ne le connaissais pas. En ce moment, je ne connaissais pas Jésus-Christ ou bien Satani TV ou Papato TV ou Parler pour rien TV. Je ne connaissais pas ça. Donc, la personne m'a écrit une bosse. Et puis la personne me dit, mais pourquoi tu appelles ce monsieur, pourquoi tu appelles ce monsieur la paix en parlant de Mia Léon? Il dit, mais je ne connaissais pas la personne. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Si j'appelle quelqu'un père, c'est que je le respecte, ça s'arrête là.
Il dit non, mais c'est Jésus-Christ seulement qui est ton père. Pourquoi tu appelles quelqu'un père? Voilà par là qui a commencé entre Georges, Nama et moi. Et quand on a parlé, la personne dit, bon, je vais te montrer quelque chose. Puis il a raccroché. Le lendemain, je me réveille. On dit, hey, Bishop, il y a une vidéo qui est en train de circuler sur Jésus-Christ TV depuis 2013. Hein. Il y a une vidéo qui circule sur Jésus-Christ TV. Mais c'est quoi Jésus-Christ TV? C'est quoi ça? C'est quelle émission encore? Attends, je t'envoie le lien. On m'envoie le lien. Je vois, ils ont fait un montage. Ils ont mis tête de mort. Ils ont mis des trucs bizarres. Et le titre, c'était « Sorcellerie à l'église ». Ah, en 2013. Ah, ça, là, ça a brisé mon église. J'avais des enfants spirituels qui croyaient en moi. Ils ont quitté l'église. L'église que je suis allé dans la ville pour créer. Il y avait des nouveaux convertis, des gens qui ont abandonné même la drogue, la cigarette pour se donner à Dieu. Ils ont quitté l'église. Tous ceux qui me soutenaient, ça a bouleversé. Ça a bouleversé même mon ministère. J'ai été obligé de fermer cette église. Donc, entre nous-mêmes, si Georges Nama est de Dieu, et qu'à cause de son intervention, moi, à cause de son intervention, une assemblée que je suis allé créer pour aider des gens a été fermée. Et que des drogués sont retournés à la drogue. Des alcooliques sont retournés à l'alcool. Des gens sont retournés dans leurs péchés. Entre lui et moi, qui fait l'œuvre de Dieu? Ça, c'est une question. Mais je ne reviens pas là-dessus parce que je ne suis pas en conflit avec lui. Je ne veux même pas faire un direct sur lui, ça ne m'intéresse pas. Je vais juste éclaircir les gens et puis je continue mon chemin. Donc, quand Georges Nama a fait ça, en tout cas, j'en ai souffert. Après Georges Nama, il y a un autre homme de Dieu que je ne dis pas le nom d'Abidjan qui avait fait aussi un direct sur moi. En ce moment, j'étais fragile. J'ai pleuré jusqu'à... J'ai dit, hey Dieu, les gens là... Donc, c'était depuis 2013, hein, on est en 2020. Cette vidéo que vous voyez là, hein, c'était depuis 2013. On est en 2020. Ça fait, ce n'est même pas d'actualité. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Après, je suis allé à la Casarema. Vous pouvez voir sur mon mur, il y a une vidéo, ou sur mon YouTube, il y a une vidéo de Casarema. Où c'est marqué, le bishop Melchisedec dénonce... Jésus-Christ TV de Georges Nama. Ça est sur mon mur. Ça est encore sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Alors, ce qui s'est passé, je suis allé à Casarema, puisque le monde entier a vu ça. Je suis allé démentir tout ce que Georges Nama a fait. Et j'ai expliqué comment Georges Nama s'est comporté, qu'est-ce qu'il a fait. C'est une affaire qui date de 2013. Bon, maintenant, pourquoi cette vidéo sort sur la toile? Ce sont les enfants du Mamayeur. Comme ils savaient que depuis 2013, Georges Nama avait fait une vidéo sur moi et que c'est encore sur Facebook ou sur, je ne sais pas, YouTube, ils ont pris la vidéo, ils ont fait montage, ils ont coupé des parties pour faire montage. C'est un système pour eux, pour faire croire au monde que le monsieur qui a dénoncé Makassa, le voleur, l'escroc, l'assassin, le monsieur là-même, il n'est pas bon, c'est un sorcier. En fait, c'est une stratégie de mamaille. C'est une stratégie, c'est pour endormir le cerveau des gens. C'est pour faire croire aux gens que, en fait, lui-même qui parle là, voilà, il est sorcier, il est ceci, cela. Donc, ils sont allés chercher la vidéo sur YouTube. C'est une manière, puisqu'ils n'ont plus rien à dire. Ils m'ont insulté, ça ne m'atteint pas. Ils m'ont attaqué spirituellement, ça ne m'atteint pas. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Ça ne m'atteint pas. Donc, comme il y a la vidéo de Georges Nama sur moi depuis 2013, ils sont allés prendre cette vidéo pour faire montage. Mais qui Georges Nama n'a pas attaqué? Georges Nama a attaqué Yvan Castelnau. Georges Nama a attaqué Mamadou Karambiré. Georges Nama a attaqué Joël Tatu. Georges Nama a attaqué Mohamed Sanogo. Georges Nama a attaqué Wafo. Georges Nama a attaqué Guy Vincent. Georges Nama a attaqué Kakou Séverin. Georges Nama a attaqué même Casarema. Qui Georges Nama n'a pas encore attaqué? Quel pasteur Georges Nama n'a pas attaqué? À partir du moment qu'un pasteur ait l'onction, à partir du moment qu'un pasteur ne prêche pas comme Georges Nama l'attaque. On le connaît pour ça. C'est son business. C'est sa manière d'avoir son argent. C'est sa manière de manger. C'est avec ça. Il se prend pour un saint devant les ignorants. Et les ignorants lui envoient l'argent. Et puis il fait du business. Il envoie des containers en Afrique.
Il achète des chaussures chères. Il fait, comment on appelle? Il a attaqué tout Nassi. Il a attaqué tout pasteur. Il attaque. Même pasteur qui est mort, il va l'attaquer. On connaît Georges Nama. Et c'est depuis 2013 qu'il avait fait cette vidéo. Mais je vais vous dire quelque chose. Le même Georges Nama là-haut, c'est pas lui qui est venu prendre ma vidéo sur Tatiana Kosseré pour faire publication. Oh, ça me fait rigoler. Je dis, oh, si Georges Nama reconnaît encore que je suis sorcier, pourquoi Georges Nama est venu prendre ma vidéo? Je n'ai pas trop me rapprocher parce qu'il y a les enfants là-bas, il y a des ceci. Si Georges Nama me reconnaissait toujours comme sorcier, puisque c'est depuis 2013 qu'il a fait, pourquoi Georges Nama prend ma vidéo au moment où j'ai dénoncé, hein, au moment où j'ai dénoncé M. Makassa d'avoir tué sa femme? C'est Georges Nama qui a publié la photo sur YouTube, la vidéo sur YouTube, où il a eu des milliers de vues. Le même Georges Nama qui m'avait attaqué en 2013. Donc, réfléchissez un peu. Et puis, quand vous voulez attaquer les gens, quand vous voulez attaquer les gens, cherchez des choses qui ont de la valeur. Parce que vous allez tourner, vous n'allez rien trouver sur moi. Si tu dis que j'ai déjà baisé femme, je l'ai déjà fait. Dans mon passé, je l'ai fait. Tu dis, Bishop là, je l'ai déjà vu un jour en train de boire quelque part, je l'ai fait. Maman, il rend témoignage même. Et puis il dit que moi-même, je suis venu en France, il était tombé à cause des gens. Ma vie là, c'est pas caché. Je n'ai rien à cacher de ma vie. Je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est-à-dire que quand je dois me répentir en public, je dis ouais, je suis comme ça. Et puis je le dis, je ne joue pas à vos jeux bizarres. Moi, je ne suis pas un maman, je ne suis pas un escroc, je ne suis pas un assassin. J'ai mes défauts. Je reconnais mes défauts et je vis avec mes défauts et demande pardon à Dieu de me purifier à chaque fois. Maintenant, aujourd'hui, où on attaque le mamaïeur, où il est en train de rentrer dans le trou, c'est là que ses enfants vont chercher la vidéo. Vite, 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 vite. On a fait un montage contre lui. On a fait un montage comme ça. Les gens qui sont en train de le suivre là, ils vont dire que c'est un sorcier. Ils vont dire que c'est un féticheur. Et puis les gens ne vont plus l'écouter. C'est eux qui ont pris vidéo là pour faire le montage. Maintenant, si ce n'est pas eux et que c'est Georges Nama qui a fait ça encore, c'est que Georges Nama vient de montrer au monde entier que lui-même là, il est plus sorcier que tout le monde. Parce que tu ne peux pas attaquer quelqu'un en 2013. La personne est partie dévoiler comment est-ce que tu es venu vers lui pour aller révéler la vérité. Ça, 2013 à 2020. En 2020, la personne fait une vidéo pour dénoncer quelque chose. Toi-même, tu dis qu'il est sorcier. Tu prends sa vidéo, tu fais montage, tu mets encore pour montrer aux yeux du monde que la personne est bonne. Et puis après, tu reviens quelques semaines après pour faire une vidéo sur la personne encore pour dire qu'il est sorcier. C'est que tu n'es pas crédible. C'est que tu n'es pas crédible. Donc si c'est Georges Nama qui a fait ça, c'est qu'il n'est pas crédible. Mais si ce sont les enfants du mamailleur qui ont cru que c'est un moyen de me détruire, vous perdez votre temps. Cette vidéo, elle est sur YouTube depuis 2013. Elle est sur YouTube depuis 2013. Je suis encore vivant. Je suis acheté. Je suis rempli d'onction. Je suis béni. Ça n'a pas détruit ma vie. Ça n'a pas détruit mon couple. Ça n'a pas détruit mon ministère. C'est juste l'église là, j'ai fermé. C'est tout. Voilà. Donc, tout va bien. Alors, il y a des gens qui m'envoient ça sur Messenger. Hey, Bishop, Georges Nama est en train de parler de toi. Hey, Bishop, ils sont en train de t'attaquer là-bas. Hey, Bishop, ils sont en train de te faire. Oh, c'est à cause de vous. Sinon, je m'en foutais, hein. Mais c'est simplement à cause de vous. Pour que votre esprit soit tranquille, que je prends un peu de mon temps pour vous faire ce direct. Je profite de ce direct pour dire quelque chose que je voulais dire, mais comme j'ai dit que je ne parle pas pendant 3 jours, je vais rien dire, mais comme il y a ce direct, je vais profiter pour régler un problème. J'ai quitté sur l'affaire de Georges Nama. Comme les Ivoiriens ne veulent pas me laisser tranquille, je vais gérer un autre problème. C'est concernant le gouvernement ivoirien. concernant le gouvernement ivoirien, je vais vous montrer quelque chose et puis je vais parler vite fait. Et puis je coupe mon direct. Voilà. Je ne vais pas rester longtemps. Hein. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Cependant,
Pour un grand nombre de femmes, c'est une période de risque et de danger. Dans les pays en voie de développement, bon, je vais avancer. Il y a des millions de femmes, je vais avancer, je vais avancer. De problèmes liés à la. Je me suis couché devant la porte. Il dit, sans ma femme, il n'y a pas quelqu'un qui rentre, il n'y a personne qui sort. Ça dit, si la personne qui va sortir, c'est qu'il va, va sauter mon cadavre pour sortir. Tant qu'il n'a pas encore vu ma femme. Donc c'est comme ça. Il y a un qui est venu. Il dit, tu veux voir ta femme? Il dit, oui. On est parti dans leur bureau. Il m'a expliqué. Il m'a habillé. Ils m'ont donné chapeau même. Je suis tout ça. Oh, ça me fait pitié cette vidéo là. C'est pas tout le jour, elle est partie là-bas une fois. Quand elle est arrivée, elle n'a qu'à avoir un médicament qu'elle est payé à la maison pour soigner bébé. Ok, bref. C'est ça, maman. Je ne vais pas rester longtemps. Moi, j'ai un temps actuellement là. Mes enfants, ma belle-mère, ma belle-sœur, on est en train de se promener. Puis moi, je prie derrière et ils sont devant. Donc, je n'ai pas le temps pour des conneries. Mais je vais parler vite fait. Cette vidéo que je viens de vous montrer, vous la trouvez sur mon mur. Celui qui veut la voir, il va la voir. Je voulais parler au gouvernement ivoirien. Ce n'est pas une histoire que je mets ma bouche dans tout. Mais je vais parler. Je vais leur poser des questions. Je dis au gouvernement ivoirien. Je dis, vous êtes au pouvoir là. C'est pour le peuple ou bien c'est pour un parti politique? Non, c'est vraiment une question que je pose. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Parce que quand M. Alassane, comment tu vas? Je peux te toucher? Hein? Faut pas me bouffer. Hein? Tu n'aimes pas mon parfum? Il est parti. Regardez. C'est un raciste. Donc, il a touché ma main un peu et puis il est parti. Donc, je pose une question. Vous êtes venu, vous avez bâti campagne en disant... je vais prendre soin de l'école, je vais prendre soin de, comment dirais-je, de l'hôpital, je vais prendre soin de ceci, cela. Mais aujourd'hui là, franchement, vous êtes concentré sur quoi? Hein? Regardez l'affaire. Voilà, tu m'aimes? Vous les animaux, vous êtes sensibles, hein? Regardez. C'est bien. Tu sens que je suis une bonne personne. Regarde comment il est beau. Tu voulais caresser encore? Oh, toi aussi. Ah. Donc, la question que je pose. Aujourd'hui là, on ne peut pas en vouloir. Moi, je ne peux pas en vouloir forcément aux médecins. Cette histoire me brise le cœur. Moi, j'en veux au gouvernement qui ne donne pas les moyens aux hôpitaux. J'en veux au gouvernement qui a dit de belles paroles pour être au pouvoir, mais aujourd'hui qui passe son temps à faire la chasse de l'homme. Il passe son temps à attraper les cyberactivistes. Jusqu'à même, ils vont prendre un petit escroc, voleur, mamailleur. Ils le prennent comme un griot pour qu'il vienne s'asseoir pour dire que lui, il interdit. Hein? Pour dire que lui, il interdit les vrais Ivoiriens à rentrer chez eux, dans leur pays. Mais ce que Makassa a dit là, Makassa ne peut pas venir s'asseoir comme ça pour dire ça. Hein? Si on n'a pas donné la permission à Makassa, Makassa ne peut pas venir s'asseoir. Makassa ne peut pas venir s'asseoir comme ça. Hein? Makassa même sait qu'il est étranger. Il sait que ses parents étaient étrangers. Il sait qu'il est voleur. Il sait qu'il est assassin. Mais quand un assassin, un voleur, quelqu'un qui a sa femme, qui est morte, qui est encore à la morgue, il n'a pas encore enterré, qui fait des shows sur télévision, radio, comment on appelle ces trucs-là encore, Facebook, pourtant sa femme n'est même pas enterrée. L'autopsie n'a pas été faite. Il y a un autre qui vient encore. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore enterré sa femme,
Sa femme est encore à la morgue. Hein? Elle n'est pas encore enterrée. Mais il est à la radio, à la télé. Il est, comment on appelle ça, dans toutes sortes de médias pour insulter, pour attaquer. Il insulte des gendarmes. Il insulte des pasteurs. Il insulte des cyberactivistes. Il dit à des pasteurs, vous ne pouvez pas rentrer dans le pays. Mais ça, c'est le gouvernement qui lui donne le pouvoir. S'il y avait vraiment un gouvernement en Côte d'Ivoire, s'il y avait la justice en Côte d'Ivoire, Makassa ne pouvait jamais se mettre là pour dire tout ce qu'il dit. Il est présumé coupable. Il est présumé coupable. Hein? Excusez-moi, je vais vous montrer un cocotier. Regardez cocotier là, ceux qui aiment cocotier. Regardez comment cocotier là est. Regardez. Cocotier. Toi là, les mangeurs de cocotier ne vont pas te louper. Hein? Les mangeurs de porc là. Donc, vas-y, avance. Avance avec ta maman, j'arrive. Donc, le pays est mal géré. Les soignants, les hôpitaux n'ont pas de matériel. Ils ne peuvent pas faire de premiers soins. Tu envoies quelqu'un à l'hôpital. Tu n'as pas l'argent, la personne meurt. On dirait que les gens qui travaillent dans les hôpitaux ne sont pas formés. La vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, cette vidéo-là, le monsieur a perdu sa femme pendant qu'on lui donnait on lui demandait de l'argent. Il a payé des ordonnances. Bloquez-moi les têtes de mort là, mes administrateurs. Il a, comment dirais-je? Attendez-moi, mais il a bloqué ça gentiment, pépèrement et sérieusement. Je sais faire ça. Donc, le monsieur, il a perdu de l'argent. Et pendant, écoutez la vidéo après, vous allez voir. Pendant que sa femme est morte là, on lui dit paye ceci, paye cela. Il paye seulement. Pourtant, la femme est déjà morte. Et ce qui fait mal dans l'histoire, ce qui fait vraiment mal, c'est que la femme a été opérée. Et dans cette opération-là, ils ont déchiré le ventre en touchant l'enfant. Ils ont déchiré le ventre en touchant l'enfant. Vous avez compris? Ils ont déchiré le ventre en touchant l'enfant. L'enfant est blessé sur sa tête. Et encore, le papa doit payer pour l'enfant. Il doit payer pour la morgue. Mais moi, je me suis posé juste la question. Est-ce qu'on est dans un pays de droit? Est-ce qu'on est dans un pays où il y a la justice? Est-ce qu'on est dans un pays où le gouvernement pense au peuple? N'importe qui peut aller à l'hôpital pour mourir. Quand on va à l'hôpital, c'est pour se faire soigner. Quand une femme va à l'hôpital pour accoucher, c'est pour voir son bébé naître et revenir chez elle, dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Cette femme est morte, malgré tout ce qu'on a demandé à son mari de payer. L'hôpital, même les médicaments que le monsieur paye à la maison, l'hôpital dit au monsieur d'envoyer ses médicaments, c'est avec ça, ils vont soigner son propre bébé. Ça fait honte pour un pays développé. Le gouvernement qui est là, vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Mais réveillez-vous. Ceux qui vont à l'hôpital là, ce sont nous tous, nos parents. Il n'y a que les pauvres qui meurent. Parce que les riches, ils peuvent aller dans des grandes cliniques, faire ce qu'ils veulent. D'autres même prennent l'avion pour aller se faire soigner ailleurs. On a Gon Coulibaly qui ne s'est pas fait opérer en Côte d'Ivoire, il est ailleurs. Mais les pauvres, ils sont en train de mourir. Tu envoies ton malade à l'hôpital, tu es sûr que la personne s'en va mourir. On peut dire aujourd'hui que les gens de l'hôpital n'ont pas fait leur travail. Mais si eux vous disent qu'ils n'avaient pas le matériel, si eux disent qu'ils n'ont rien pour soigner les gens, ils disent qu'eux-mêmes, leur salaire ne leur suffit pas. Si ils disent qu'eux-mêmes, là, ça fait 2 mois, 3 mois, ils ne sont pas payés. Et qu'ils sont obligés de faire ça pour pouvoir d'abord manger ou pour pouvoir aussi soigner les gens. On fait comment? Donc, je ne suis pas, là, je vais pas critiquer quelqu'un, je ne vais pas attaquer. Je voulais dire au gouvernement, c'est vrai qu'on vous clash souvent. Mais vraiment, prenez conscience. Sachez qu'il y a un peuple qui est là et que vous êtes au pouvoir pour le peuple. Pensez au peuple. Pensez à l'hôpital. Pensez à l'école. Pensez à ceux qui ont faim. C'est pardon que je vous demande aujourd'hui. Odila, il ne fait pas parler.
C'est pardon, je vous demande seulement. Je vous demande pardon. Réveillez-vous. Vous êtes au pouvoir, ça fait 10 ans. Si en 10 ans, vous ne pouvez pas prendre soin de l'hôpital, au temps de Gbagbo là, il y avait la guerre, il y avait les rebelles. Mais je crois que les gens se soignaient quand même, non? Mais pour vous là, il n'y a pas guerre, il n'y a pas rebelles. La France est avec vous. À chaque fois même, l'Europe cotise l'argent pour vous donner. Vous avez l'argent. Prenez soin des gens, mettez le matériel à l'hôpital, aidez les médecins. Si ce n'est pas prison que vous remplissez, toujours prison. Toi là, tu vas aller en prison. Toi là, tu vas mourir. Toi là, tu es interdit de venir au pays. Ça là, pour ça là seulement là, vous êtes trop fort. Ah, en tout cas, pour poursuivre les gens, vous êtes fort. Hein? Pour attaquer les gens et puis pour menacer là. Oh non, on devrait vous appeler gouvernement de menace. Ou gouvernement de poursuite. Non. Ou gouvernement d'emprisonnement. Non. Et mon petit neveu qui dit non. Il dit non. Elle dit non. Non. Aujourd'hui, on peut dire non. Les médecins ne sont pas bien. La clinique, là, on va porter plainte. La clinique là, ou bien l'hôpital, là. S'ils vous disent qu'ils n'avaient pas les moyens, vous allez les faire quoi? Ils ne vont pas prendre l'argent dans leur poche quand même pour soigner les gens. Dans un pays civilisé, un pays de droit, il y a quand même le minimum pour soigner les gens. On soigne les gens, ils sont vivants d'abord avant de parler d'argent. Même ici en France, tu vas à l'hôpital, tu n'as pas l'argent, on va te soigner, tu auras ta facture après. C'est ce qu'on appelle un pays de droit. Mais quelqu'un ne peut pas s'élever comme ça. Il va à l'hôpital, sa femme meurt, son enfant est blessé sur la tête. Dans l'accouchement là, la maman est morte, l'enfant a grosse plaie sur son crâne. Mais c'est quel hôpital ça? C'est quel pays ça? Ça là aussi quand on parle, oui tu fais politique, pourquoi tu parles? Tu vas mourir, tu vas aller en prison, tu vas faire ceci. Mais moi, je dis, ce que j'ai dit là tellement sucré dans ma bouche, que je m'en fous de vos menaces. Maman, je vais rester ici parce que, comme je parle, il a eu quoi? Ah, les poules l'ont piqué le doigt. Yako, tonton va attraper, on va prendre pour aller manger. Hein? Je prends la poule qui t'a piqué, on va aller manger ce soir, on va braiser. Faut pas pleurer. Je vais la braiser ce soir, d'accord? Voilà. Donc, hein, un gouvernement, c'est pour prendre soin de nous, le pauvre. Fait partie du peuple. Le riche fait partie du peuple. Celui qui est de votre parti, il fait partie du peuple. Hein? Celui qui n'est pas de votre parti, il fait partie du peuple. Celui qui est du nord, il fait partie du peuple. Celui qui est du sud, il fait partie du peuple. De l'ouest, il fait partie du peuple. On est tous ivoiriens et humains. Si vous êtes au pouvoir, en quelque sorte, vous êtes comme nos papas et nos mamans. On a besoin de vous pour nous donner à manger, pour nous soutenir, pour nous aider, pour notre travail. Hein? On a besoin de vous pour prendre soin de nos enfants. Ils n'ont qu'à aller à l'école. Nos malades n'ont qu'à être guéris. C'est tout ce qu'on vous demande. Après le reste de l'argent là, bouffez, on s'en fout. Prenez un peu soin de nous seulement. Et puis bouffez le reste de l'argent. Mais arrêtez de courir après nous. Et puis je reviens sur l'affaire de Makassa. Franchement, vous n'avez pas honte. Un gouvernement, dans un pays de droit, quelqu'un est présumé coupable. Sa femme meurt. Il y a plusieurs versions. Le corps de la femme est encore à la morgue. On dit qu'on doit faire autopsie. Mais cette personne-là, il est l'ami du premier ministre. Cette personne-là, il va à la télévision pour clasher, pour insulter tout le monde. Même les parents de la femme qui est morte. Cette personne va sur des plateaux de télé, des radios, sur des chaînes, sur Facebook. Il danse. Il dit à tout le monde, je vous emmerde. Mais il est présumé coupable. Il y a une mort avec plusieurs versions. Une enquête n'a pas encore été faite. L'autopsie n'a pas encore été faite. Il n'y a aucune preuve qui est donnée. Mais en quelque sorte, c'est une manière de nous dire que vous êtes complices.
Moi, j'ai donné un conseil à Ahmed Bakayoko, il ne m'a pas écouté. J'ai dit, le petit mamailleur là, il va gâter ton nom. Si tu penses que tu as eu Ahmed Bakayoko, même si tu n'aimes pas mon affaire, ce conseil-là seulement, il faut écouter. Le petit que tu as pris pour mettre à côté de toi là, c'est lui qui est en train de te créer problème. Il est devenu comme un poison sur ton dos. Parce que tout ce qu'il va faire là, on va mettre ton nom dedans. Tout ce qu'il va faire, on va mettre ton nom dedans. Parce que c'est toi qui lui donne la force. C'est toi, Ahmed Bakayoko, et puis le gouvernement. Vous ne soutenez pas cet enfant-là. Il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire qui veulent lui parler, mais ils ont peur. Il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire qui ont envie de lui cacher la vérité. Mais ils ont peur à cause de vous. Tout malin qu'il fait là, c'est sur vous, il compte. Il s'est dit que vous êtes derrière. Qu'il n'y a personne. Lui, il a quelle force? Il a quel pouvoir? Il a quel argent? Lui, il peut faire quoi à qui? Mais il compte sur Ahmed Bakayoko. Il compte sur le ministre, le premier ministre. Il compte sur le gouvernement. Quelqu'un qui s'assoit et puis dit, j'ai écrit au procureur. J'ai appelé le procureur pour lui dire, il n'a qu'à faire vite. Quelqu'un qui est présumé coupable. C'est lui qui appelle le procureur pour dire, j'ai appelé le procureur pour lui dire de faire vite. Quelqu'un qui est présumé coupable. C'est lui qui vient insulter les parents de la femme qui est décédée en public. À la télévision, à la radio, sur Facebook. Quelqu'un qui est présumé coupable. C'est lui qui vient s'asseoir pour insulter un ancien gendarme. Un ancien gendarme là, qui soit pasteur, qui soit maçon, qui soit assis chez lui à la retraite, qui soit quoi? C'est une autorité du pays à respecter. Il a rendu service au pays en tant que gendarme. Mais il vient attaquer le gendarme. Il vient insulter le gendarme. Il vient s'asseoir et puis il dit à des pasteurs, des gens qui sont nés dans ce pays, il leur dit, vous ne pouvez plus rentrer ici pendant 5 ans. Mais il compte sur quoi? Il compte sur quoi? C'est sur vous. C'est vous qui lui donnez cette force. Vous donnez la force aux criminels. Vous protégez les assassins. Vous protégez les gens qui sont avec vous. Quand ils volent, quand ils tuent, quand ils font ce qui est mauvais, vous fermez vos yeux. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Mais quand il y a quelqu'un qui s'arrête pour dire que ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon, ou bien qui donne un seul conseil, vous dites lui, on va le tuer. On va le mettre en prison. Il est contre l'État. Atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est votre phrase, ça. C'est un quoi encore? Xénophobe. Ça, c'est une deuxième phrase. C'est quelqu'un qui veut diviser l'État. C'est quelqu'un qui veut faire coup d'État. C'est quelqu'un qui veut faire ceci. C'est votre langage, votre phrase, c'est que ça. On dit, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Les gens ont faim. Les gens n'ont pas de travail. Les gens meurent à l'hôpital. L'école est farfouillée, c'est balancé. Tout ce que vous faites, poursuite de l'homme. Prison là est remplie comme ça. Prison là est remplie. Quand il n'y a plus place dans prison. Et tu t'en vas fouiller prison là. Il n'y a pas un seul élément du RHDP là-bas. Il n'y a pas quelqu'un. Tous ceux qui sont dans la prison, qui sont dans RHDP là, c'est des gens qui sont là-bas seulement pour surveiller les prisonniers. Mais en tant que prisonnier là, il n'y a pas quelqu'un de votre groupe là-bas. Sauf quelqu'un qui n'est plus avec vous. Vous voyez ça? Bon, ça c'est de l'injustice. Nous on voit ça aux yeux du monde. Et c'est de ça que moi je parle. Si ça là c'est faire la politique, ah, c'est que peut-être je suis politicien sans le savoir. Hein. On va où? On va là ou là? Mamie était passée par là. Ouais. Voilà. C'est là où on va. Oui. Bon, moi, je continue mon chemin. Si je finis mon direct, je me trouver en route. D'accord? Ouais. Non, attendez, mamie. Moi, je vais me mettre à côté là. Ouais. Je vais faire mon. Je vais terminer mon direct. Oui. Bébé, viens pas avec moi. Oui. Reste avec maman. Donc. C'est de ça qu'on parle. En fait, je n'avais pas prévu de faire direct. Hein. Mais comme vous donnez le droit aux gens d'insulter les gens, vous donnez le droit aux gens de menacer des anciens gendarmes, vous donnez le droit aux gens d'insulter les parents d'une femme qui est décédée, vous donnez le droit aux gens de se mettre à la télé, à la radio, partout, pour insulter la mère de tout le monde, pour attaquer tout le monde. En fait, quand on vérifie actuellement là, on a l'impression que Makassa est devenu le président de la République de la Côte d'Ivoire. Il commande même M. Alassane Ouattara. Il commande le procureur Adou Richard. Il commande le premier ministre. Il commande le ministre de la Justice et de la Défense. M. Makassa
est devenu le roi et le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Tout simplement, soit c'est un petit bear qui s'est fait sodomiser dans la loge de la franc-maçonnerie, ou il a fait une alliance que nous, on ne sait pas vraiment c'est quelle alliance, ou c'est votre griot, mais vous avez quel contrat entre vous et puis cet enfant-là? Vous avez quel contrat? C'est quel contrat qui vous lie à cet enfant-là? Et puis il est en train de gâter le nom de tout le pays. Il gâte le nom d'église. Il gâte le nom des pasteurs. Maintenant, il est en train de gâter le nom du gouvernement. Vous voyez les directs que je fais aujourd'hui là? C'est à cause de Makassar que je fais le direct. Si Ahmed Bakayoko n'avait pas pris cet enfant sur sa main, et que cet enfant n'est pas en train de faire ce qu'il fait là, qui allait venir aujourd'hui parler d'Ahmed Bakayoko? Qui allait venir aujourd'hui attaquer le gouvernement? Donc si vous devrez en vouloir à quelqu'un, c'est vous-même. Si vous devrez en vouloir à quelqu'un, c'est le petit là. Depuis là, si vous avez fermé sa bouche, si vous l'avez pris pour dire petit, tu as tué ta femme, va en prison. Depuis là, si Ahmed Bakayoko avait dit petit, il ne faut plus t'approcher de moi, il ne faut plus me dire mon nom. Parce que tu es en train de gâter mon nom dans le pays. À cause de toi, les gens me prennent pour un faux type. À cause de toi, les gens me prennent pour quelqu'un de ceci. Tu t'es approché de moi, mon nom est en train de se gâter. Si Ahmed Bakayoko avait pris cette décision depuis longtemps, qui aujourd'hui allait parler d'Ahmed Bakayoko? Qui allait se lever pour faire direct contre lui? Ou pour parler de lui? Mais c'est le fardeau que lui-même a pris pour mettre sur sa tête là. C'est ce fardeau-là qui est en train de le fatiguer. Il n'a qu'à assumer. Si tu prends un voleur pour faire ton camarade, quand on attrape le voleur, on va dire qui est, où sont ses amis? Et on va mettre ton nom dedans. C'est ce qui arrive à Ahmed Bakayoko aujourd'hui. Et comme Ahmed Bakayoko est premier ministre, on parle aussi du gouvernement. Donc il y a un désordre dans notre pays. Un vrai désordre. N'importe qui peut se lever. N'importe qui peut tuer qui veut. À partir du moment où il est soudé au pouvoir, à partir du moment où il défend quelqu'un du gouvernement, à partir du moment où il est dans le parti politique du gouvernement, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est une honte de ce que vous ne pouvez pas vous occuper des hôpitaux. Vous ne pouvez pas équiper les hôpitaux. Vous ne pouvez pas donner, même les policiers n'ont pas de pistolet. Les microbes là, ils sont plus armés que les policiers. Les gendarmes, ils ne sont pas respectés. Les policiers ne sont pas respectés. Les eaux et forêts ne sont pas respectés. Les médecins ne peuvent pas faire leur travail. Il y a des gens même là, ils ont des formations, ils peuvent faire beaucoup, ils ne peuvent pas. Le pays est stagné. Tout ce que vous nous avez montré, goudron, pont, et puis le reste de l'argent dans votre poche. Goudron dégradable. Quand il pleut, ça disparaît. Bon, quand on parle de ça, tu fais la politique. Oh, tu fais la politique. Nous, ça m'en fout. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Si c'est politique, je fais oh. Si c'est histoire de géographie, je fais oh. Si c'est, je suis un scientifique oh. Si ce que je dis là, c'est histoire de mon pays oh. En tout cas, c'est pas mon problème. Vous pensez ce que vous voulez. Mais c'est une honte. Quand on voit l'image de Makassar sur la télé ivoirienne, on voit alors que sa femme, son corps est à la morgue, on comprend qui est le gouvernement. On comprend s'il y a un gouvernement dans ce pays. On comprend s'il y a une justice dans ce pays. Quand on voit un homme qui envoie sa femme à l'hôpital, pendant des jours, on lui demande de payer. Sa femme meurt. Son enfant qui est né par césarienne a une grosse blessure. Sur la tête, si c'était en France là, si c'était dans un pays développé, en tout cas ça n'allait pas rester là. Mais c'est un pauvre monsieur, dans un pays pauvre, il n'a rien, il va faire quoi? Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. J'avais que ça m'a touché hier, j'ai regardé cette vidéo, je voulais parler, j'ai dit non, je laisse tomber. Dans ce temps-ci, j'ai me reposer un peu. Et mais comme on est venu me provoquer, bah moi j'aime quand on me provoque. Oh. Quand on me provoque, on me donne l'occasion de parler. Oh. Comme on est venu me provoquer. Et puis il y a des gens qui prennent une ancienne vidéo de 2013. Les enfants de Makassi, Makassa, Makoso. Regardez la date de la vidéo, 2013. Je suis allé aux États-Unis pour prêcher. Il y a un pasteur qui m'a dit, Bishop, ce que Satan TV a fait là, si c'était moi, si c'était moi, il dit j'allais plus vivre. Je dis mais moi ça ne me fait rien. Donc si ça ne m'a pas fait du mal en 2013, ce n'est pas maintenant que vous allez faire montage pour partager et puis ça me fait du mal. Rien. Vous savez ce que vous faites pour moi actuellement? Ma publicité. Eh ouais. Vous faites ma publicité à 200%.
À cause de vous-même, les gens qui ne me connaissaient pas cessent à me connaître. Oh my guys. Ah là 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 là. C'est-à-dire que, à la télé, vous parlez de moi, il y a mon image. Bah. On dit, il est où? Il est où? À la radio, vous parlez de moi. On dit, mais c'est qui même? C'est qui? Sur Facebook, vous parlez. Oh, wow, wow, wow. Après, vous faites montage. Donc, les gens même, vous croyez qu'ils vont me détester? Mais c'est ça qui fait qu'ils aiment mon affaire. Ils viennent nombreux comme ça. Ils viennent nombreux, 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 nombreux comme ça. Donc, continuez la publicité. S'il vous plaît. Publicité là, c'est payant, non? Mais moi, vous me faites de la publicité gratuite. Et c'est ça là, ça peut me faire fâcher. En tout cas, bon boulot, hein. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Je vais continuer à profiter de ma promenade dans les bois et mes petits moments de prière dans les bois. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs en Christ. Dieu bénisse les vrais enfants de Dieu et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu nous aide. Et que Dieu aide le gouvernement à prendre conscience. On a besoin de vous. Mais Alassane Ouattara, il y a qui? Sabari Aka Lakoson. Pense à nous. On te demande pardon. Kere Magne. Kere Bana. Il faut t'occuper de nous. Nous, on veut manger, boire, être soigné. On veut seulement que tu t'occupes de nous. On n'est pas contre toi. Quand tu es venu là, ils ont dit brave Ké, brave Ké. Ado, a maïde. Puissance, à main de à puissance, à puissance, un an puissance, puissance, un an puissance. Les Ivoiriens ont dansé à main de puissance, à main de puissance. La puissance là, attaque l'ami. Cette puissance là, nous on veut voir maintenant. On veut puissance là. Puissance dans l'hôpital, puissance dans l'école, puissance dans la santé, puissance dans la sécurité. Et puis, arrêtez de poursuivre les gens. Ceux qui sont à l'étranger, vous les poursuivez. Ceux qui sont dans le pays, vous les poursuivez. Ceux qui sont à la frontière, vous les poursuivez. Ceux qui sont en prison, vous les poursuivez. Est-ce que ça, c'est le gouvernement de poursuite? Ou c'est le gouvernement de... Je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini. Hein? Voilà. Donc, j'ai fait mon éclaircissement. À vous de partager. Quand quelqu'un vous partage la vidéo de montage de Georges Namala, vous partagez pour moi. Vous partez prendre encore pour Kazarema qui est sur mon mur là. Vous lui partagez aussi. Comme ça, Kouma Bana. J'ai tout dit. Vous avez perdu votre temps. Vous ne pouvez pas me descendre. Je suis un lion. Un vrai. Je suis un vrai lion. Moi, je ne suis pas un chat. Hein. Je ne parle pas. Ouah, 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 ouah. Je suis un vrai, un battable, un cassable, un pliable. À Tia normal, c'est moi. Mon pied est dans l'eau, mon pied est sur la terre et ma tête est dans le ciel. J'ai trois têtes. Lion, aigle. Et puis, il y a éléphant à côté. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.